C'est la vie que je mérite. Ça c'est pour toi, bébé. Hello Beauty Warriors, welcome back to my channel guys. Aujourd'hui c'est le départ en vacances, direction le camping à Argelès-sur-Mer. Là c'est bon, on a tout préparé, on est sur le départ. C'est vraiment quelque chose hein, de voyager avec bébé. J'avais oublié comment c'était. Regardez, je crois que c'est bien. Tout ça pour la piscine qui va tout défaire. Oui voilà, la piscine de la mer. On charge la voiture, enfin le mari, je ne sais à rien, avec les épaules. On va récupérer mamie, elle dit avec nous bien sûr. On la récupère à Perpignan et de là, direction le camping. Super raison, top. Arrêter à une verre, c'est l'heure de se mettre petit manger. Bien, ça va? Elle commence déjà très mal les vacances. Tu fais la tête? Tu fais la tête alors que tu as un joli sac avec des sous dedans. Bien, Yami? On est à Perpignan. Mamie, elle a du retard avec son bus. Hey, hey, hey. La French farm. Là, on va aller au camping. Et j'ai dit à notre pays. Ouais. Enfin arrivé. Je vous montre comment c'est. On a fait un mobile home. On a fait comme ça. Quand vous rentrez, il y a une petite télé, la cuisine, la table. Chambre des parents. De ce côté, chambre de Lia ou mamie. Oui, c'est ta chambre celle-là? Là, il y a une autre chambre. Soit la chambre de mamie ou Lia, c'est la même chose. Un petit KGB toilette. This is the shower. Ah, la salle de bain. C'est un peu petit, mais bon. Par rapport au dernier camping qu'on était, on a la terrasse comme ça. Voilà. T'es au camping, mon amour. La dernière fois que t'es venue, t'étais bébé. Tu pouvais pas marcher. T'es content, Lia? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? T'es fatigué. On va installer le lit. Je vois ma vie sur Max. Il y en a à pleurer parce que bien sûr, on n'est pas habitué dans le temps d'adaptation. Je sens que ça va être quelque chose sérieux. Ça va être heureux pour en tout cas. Lia, essaie de ne pas faire trop de bruit pour que ta soeur s'endorme. Faut que je fasse l'inventaire. C'est chaud, heureusement qu'on a la clim. On va y aller dehors. On va aller où? On va faire un tour. Thank you, maman. Thank you, maman. Il y a quoi? À 10h, il y a un réveil musculaire. On fait une petite balade. Hey, maman. Il y a une petite heure de jeu. Il joue à la pétanque. Il y a une scène, il y a un restaurant. C'est plutôt pas mal. Il y en a qui sont con. Oui, il y en a qui ont des pâtes. Oui, oui, on n'aime pas les pâtes. Tu crois qu'on n'aime pas ça et moi, j'aime pas. Moi, tu me vois camper. Tu vois, t'as la fourmi des insectes. Oui, voilà. Il y a soirée techno ce soir, mais ah ouais, on est KO. Franchement, j'aurais trop aimé aller dans la soirée, bébé, mais j'ai pas l'énergie pour ça. On est posé là avec mon mari, tranquille ou bilou. Tout le monde est allé faire dodo. On va aller dormir. Ah ouais, la route, ça m'a éclaté au sol. Il y a des toboggans là-bas, là. Ça y est, maintenant, c'est que ça. Elle est impatiente d'aller dans l'eau. Hello! Hi, maman! Just chilling. Coco, mamie! Elle est chaude? Oui! Il y en a une qui est KO, j'ai sorti de l'eau. Je pense qu'elle va pas tarder à s'endormir parce qu'elle est vraiment dans un état de fatigue. La piscine, c'est parfait pour les mettre KO. Bonne sieste, mon amour, à maman. C'est magnifique, les gars. Au top, c'est la vie que je mérite. Ma fille et mon mari, ils sont en train de faire le toboggan là-bas. Eh bien alors, ça s'amuse comme des fous. Ma fille, elle se régale. Elle est au top du top. Ah oui, un cocktail de sirotage. C'est la vie que je mérite. On est fatigué, donc on rentre. En plus, elle est en plein soleil là. C'est super top. C'est magnifique, hein. Je suis fatiguée.
dans les cuchous. Les vacances. Je vais faire une sieste. Elle est là, elle ne dort pas chez rien. On est là. Il fait trop chaud. Tu t'amuses bien? Oui, on y va. Oui, tu veux te faire ça. Il y a la piscine. Oui, on a pas tout le coup. Mets sur mon dos. Bébé, mets la douche sur ton visage. J'ai mis sur mon visage la douche. Tu ne vois pas. Ton visage est transparent, ça doit être blanc. Elle est où, ma mère? Elle est quelque part là. Dans l'orage. Dans l'orage. Regardez la plage comme c'est joli à Argelès. Ça c'est pas la grande mode, je vous l'ai dit. Waouh. On va manger au resto. C'est très joli. Hein. Il est une place dans le truc. C'est super mignon. Monsieur, il t'a fait coucou, mon cœur. Il vient pas te voir. Oh mon Dieu, j'en suis. Les gars, elle s'y pas. Franchement, moi aussi, je crois que c'était une statue. Ça va bien. Comment il fait pour être immobile? C'est son travail, chérie. Il reste là toute la journée. Il bouge pas. Il y a une pièce là qui bouge. Tu veux qu'on me remette une pièce après? Il bloque le passage. Mais là, là. Merci. On ne sait pas qu'il y avait tout ça d'activité autour du camping. Ouais, il y a beaucoup de gens. Hein. T'as peur de tout. Faut arrêter, hein. Faut pas avoir peur de tout comme ça. Est-ce qu'il t'a touché? Oui, il m'a touché. Yeah. Il m'a touché avec les yeux. De Noël. Ils ont oublié de le démonter. C'est fou, on a blindé. Est-ce qu'on n'a pas trouvé de place? Moi, je suis vraiment grise parce que je ne joue pas avec ce soleil. Attendez, j'assume ma grisaille. On est en plein soleil là, j'ai mis de la crème à fond. On va aller se baigner. On est là-haut. Je vais manger là et on va aller se coucher. Et les gars, elle me fait la misère. C'est quelque chose, hein. Heureusement, j'en ai eu que deux, pas plus. Pas possible. Les gens, ils croient que t'es toute gentille, toute sage. Eh ben non, le deuxième enfant, c'est quelque chose, hein. Et puis hier, j'ai une douleur à la poitrine, là, qui va jusqu'au dos. J'ai très peur de refaire une embolie pulmonaire. J'espère que c'est pas ça. Mais quand j'avais fait mon embolie, ça a commencé comme ça. Je sais pas si vous savez, mais pour une drépano, avoir des douleurs dans la poitrine, faut vraiment consulter urgemment. Ça peut être très grave pour moi. Oui. Maman, je vous le dis, il n'y a pas à être aussi pestouille. C'est horrible. Oh, mais madame prend un sac. Regardez les filles. Pourquoi tu dis les filles? Ah, sorry. Je ne voudrais pas avoir rien. Je me suis coiffée, j'ai fait un crochet. Parce que vous savez, les vacances, Noël gâtin, to be sweated under this week. I'll describe Noël gâtin, frère. So, la meilleure solution pour vous quand vous partez en vacances, c'est faire des braids ou crochets ou des twists, whatever. Juste d'avoir vos cheveux qui se reposent. Vous n'avez pas besoin de vous lever le matin et coiffer tout ça, nanani. Non, on n'a pas le temps pour ça en vacances. Ok. On dirait que j'ai des tresses individuelles, mais non, la technique que j'ai utilisée qui fait ça. De toute façon, je vous mettrai le tuto sur ma chaîne. Yeah. Est-ce que tu peux dire aux gens combien de fois t'es tombé du lit au camping? Chaque vacances, elle tombe du lit. Je suis venue te voir, tu me dis non, tu m'as tombé. Alors que j'ai entendu boum, je sais que t'es tombé. Mais attendez, boum, il y a deux lits. On a enlevé ça pour mettre le lit bébé. Et on a mis l'autre matelas sur ça. C'est le lit qui est petit. Elle se met de ce sens là et elle tombe. Donc ce soir, on va mettre le deuxième matelas par terre. Comme ça, si tu tombes, tu tombes sur le matelas. Il y a un bobo avant de tomber. Voilà, elle est tombée ce matin, elle est tombée hier soir. Mais franchement, quoi. Oui, j'arrive. Je suis poussée comme une sardine. Non, Lia, arrête de jouer dans la lumière. Touchez cette papa, non. Tu vois un petit monde, ça y est. Marron.
je suis coincée. On est à la, ça s'appelle la Junkera, là, c'est pas ouf. J'aime pas, je préfère aller dans un monde, c'est une vieille ville. Yes, tu dois t'amener sur le shop, quoi. T'as vu combien ça coûte ici? Moi, le coca, il a 70 centimes. Je suis choquée. Moi, je vais vivre en Espagne, c'est mon rêve. La Junkera, on est. Pas dans le ghetto, ça. Mia, avec son argent de poche, elle a le droit d'acheter un petit truc. Je me demande qu'est-ce qu'elle va choisir. Mia, veux m'acheter ça, s'il te plaît? 1,20€. Ça, c'est moins cher. Oh, tu prends celui-là? On a mis le cannabis drink. Is that even legal? La cochonaille? Yes. Tu n'as pas marre de me dire suspect? Tu prends ça? Ça, c'est combien? 1,80€. Oh, tu penses qui? Tu prends ce qui est moins cher? Oui, voilà. Mais il n'y a pas de radis comme ça, Lia. Moi, quand j'achète pour toi, je ne regarde pas le prix. Toi, tu regardes le prix pour moi. Regardez mes chaussures. On a des mélanges. Elles sont confortables. Ça, c'est chez H&M, elles étaient soldées. Ça fait 42 le prix en Espagne. Est-ce que tu as acheté le ton argent? Oui. Elle a suivi le biscuit et un paquet d'Aribo. À la plage de Rosas, Roses, en Normandie, en espagnol. On va manger au resto. C'est magnifique, hein? Il fait très chaud. On est en pleine canicule. Mets-toi là, chérie, avant. T'as te plaît? Oui. Le retour de faire une minute de retour parce que là-bas c'était vraiment nul. Ouais, c'était nul. Et là tu peux montrer, dis donc, il fait chic. Un restaurant très chic. Miam, miam, miam. C'est bon, Lia? Tu regrettes pas d'avoir pris du lait? Non. Ah. Elle le dira pas. Donnez-moi ces toilettes. On a fini de manger, on va rentrer chez nous. Et en plus, mon mari, il est complètement out of control. Va aller. Ah, pas mal. Oh, tu nous fatigues. Iglesia Evangelica. Ça, c'est pour toi, bébé. Iglesia Evangelica. Le pire endroit où t'es allé de ta vie. Non, c'était nul. Je suis allée, je crois que j'allais vomir. C'était moche. En plus, il y a des gens qui habitent là. Hein. Ouais. Il y a des gens qui se tapent ça toute la nuit. Non, mais les pauvres. Va aller dans le GPS. On est revenu de l'Espagne. Je crois que tout le monde est fatigué. Mamie, elle fait une sieste. C'est sur les enfants dans le pas comme d'hab. Et là, on l'a couché. Elle aime bien ces 5 minutes à consacrer. Va voir mamie, va là-bas. Ça empêche mamie de dormir. Naya, va voir mamie. C'est pas comme si t'as. On va à la piscine ce matin. Ce soir, on a réservé au restaurant du camping. Pour aller voir le spectacle. Voilà, normalement, il y a un spectacle de feu. Apparemment, les caméras de M6 qui seront là pour zone interdite. T'es peur du feu? Là, tu vas pas être à côté du feu. C'est normal d'aller à la piscine dès le matin comme ça. L'après-midi, attention. Il n'y a même pas de transat. Tout le monde se bat pour une transat. Du coup, on va aujourd'hui, ce matin, à 9h. On aura notre place à nous. Il n'y a pas en fait. Les deux filles sont en citron. Des petites citronnades. On est arrivé plein d'ambition, mais la piscine est fermée parce qu'il y a aquabiking aujourd'hui à 9h. Du coup, on doit attendre 10h. Là, il est 9h30. Plein d'ambition pour rien. Première fois, on se speed et tout, on se lève vraiment pour trouver une bonne place. Et là, voilà, on est mis à la porte. C'est l'ouverture à 10h de la piscine. Oh, mamie, elle s'est incrustée dans le aquabiking des gens. Mamie, elle fait de l'aquabiking. Elle a trouvé une place. C'est bon, on est rentré à la piscine. C'est bien comme ça, il n'y a personne. C'était bien, mamie? Oui. Je t'avais trouvé du bien. Allez, maman. Allez, c'est parti. On fait du sport, là. Je t'avais fait du sport.